d'accord avec vous. Excuse-moi, je peux te filmer? Est-ce que justement t'étais en train de parler avec. Enfin, t'essayais. Qu'est-ce que tu veux dire justement? Mais moi je dis qu'on se bat pour la même chose. Mais ces gens-là sous l'uniforme, ils ont des amis, ils ont une famille, ils ont des parents. On dirait qu'ils nous regardent comme s'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. J'ai essayé de parler avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez le poignet pour essayer de nous taper dessus. C'est pas juste. Vous êtes bien des humains, les yeux vides. Vous vous rendez compte? Vous avez aucune émotion ou pas? Parce que moi je suis pas contre vous. Je suis pas contre les gens qui font un travail honnête. Je suis contre la violence. Parce que vous parlez, c'est violent. Et vous estimez que nous on va se replier alors que vous faites, c'est violent. C'est une violence inouïe. Hey, j'ai pas vécu mes 68 hein. Et vous, regardez-vous, vous avez rien à foutre. Vous n'avez rien à foutre. Rien à foutre. On se bat pour des gens comme vous aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer toi pourquoi t'es dans la rue ce soir? Je me reconnais. Ouais. Je suis dans la rue parce que je suis choquée. Je suis aberrée et j'ai de la peine pour tout le monde. Je suis pas pour la violence. Pour moi c'est un combat pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les vieux, les jeunes, les machins, ça concerne tout le monde, c'est une question de les droits pauvres, humains. Les riches, on se prétend, avoir créé les droits humains et la démocratie, la VDHC et tout. On était glorieux à une époque. Elle est passée où cette époque-là? Elle est passée où cette époque-là où on était fiers d'être français? On était fiers. Moi, mon père, il est né en 60, il me disait que quand il était petit, il saluait les policiers dans la rue. Il était content d'être représenté parce que se sentait en sécurité. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. On se sent attaqué. Donc on a le droit de répondre. Il y a une grande différence entre attaquer et répondre.